Ouais. Non, mais je me suis dit, au cas où je sorte, il faut qu'Antoine soit safe et donc il faut que je l'accuse. Ok, d'accord. Ok. Ok. Angle et Nema. Ah, vous êtes des bâtards. Élec de O2, un chaufferie. Oh, la bonne soirée de Néma, okay. Là. Ok, on s'amuse bien. Ah oh. Ok. Pouvez-vous donner votre parcours, s'il vous plaît? Tous. Ah, mais attendez, ouais, attendez. Tous en même temps ou... Tous en même temps notre parcours à 3. 1, 2, 3. J'étais pas loin de Nema. Je suis allé à labo, ensuite je suis allé à spécimen, et puis ensuite je suis arrivé à admin, et là je suis allé à l'épisode pour terminer. J'ai pas quitté. Ok, maintenant que la situation est beaucoup plus claire, je pense qu'on peut voter Onitrem directement. Ah, il a une théorie. Ok. Mais non, je crois pas. Ah, mais Florence, où est le corps? Mais justement, je voulais pas vous le dire pour savoir qui est-ce qu'on pouvait suspecter en fait. Moi je pense que les deux corps sont plutôt à droite de la map. Non, moi je pense qu'ils sont plutôt à gauche. En gros, 5 secondes avant que tu reportes, Angle, il y a 3 personnes qui sont genre Elec, Cam, 2 personnes qui sont O2, et bah moi je suis admin, et voilà. Et il doit y avoir une personne là-bas aussi. Ceux qui sont à Elec, c'est Gomar, Ponce et moi. Voilà. Ouais, moi, et O2, c'est moi, Gomar. Ouais, on s'est quasiment pas quitté, donc je pense que là-dessus c'est bon. Il y avait moi, deux personnes qui étaient ensemble. C'était DFG et Yuna qui étaient ensemble. Si c'est un double kill, potentiellement, genre. Il y avait deux corps à côté ou c'était qu'un corps que t'as trouvé? Qui c'est? Je sais où est Nema. Oui, je sais. C'était au laboratoire. Regarde, pourtant, je suis restée avec toi. Nema, il était au laboratoire, j'étais avec lui. J'étais dans le sas de décompression entre laboratoire et spécimen room, en fait. Oui, d'accord. À l'autre bout de la terre, quoi. J'aurais pu faire ce kill. Qui est passé par Spécimen? Moi, je suis passé, j'ai fait une tâche et après je suis allé. Eh ben, on vote JD, c'est parti! Spécimen, c'est en bas à droite, on est d'accord? Oui, c'est ça. Oui. Moi, je suis juste Spécimen là. Tu peux accéder à la carte quand t'es sur le truc, on discute. Et Yuna, ça va? Tout à fait, si jamais vous pouvez accéder à la map en appuyant sur Tab. Non, je sais pas, parce que je vous voyais traîner ensemble sur les cams Yuna et DFG et je me suis dit, bon, bah peut-être que je sais pas. Non, moi j'ai fait. Voilà, moi j'étais Wacom et après je l'ai rejoint O2, c'est tout. Moi je peux vous dire que Big Whale était avec moi dans l'arbre O2 au moment où les lumières se sont éteintes. Elle est partie. Toi, t'es allé où? Moi? Oui. Moi je suis à la Boiler Room. Pour pas remettre les lumières du coup? Oui, c'est ça. Ok, je vois. Non, mais attendez, mais si je sais qui était là-bas avec moi, c'est potentiellement coupable. Oui, vas-y, c'était qui? Déjà, c'est pas comme. Mais Onu, ni Ponce, ni Antoine, ni moi. Onitrem, je t'explique un truc. C'est que. Dans labo. Onitrem, c'est que j'étais labo. Si je suis parti à Spécimen avant toi et que après tu vas à Spécimen, et bah si t'as pas le cadavre à report, c'est que ça peut pas être moi. Ça peut être toi à la rigueur, mais ça peut pas être moi. Qui a voté pour moi? Je t'ai pas accusé, JD. C'est toi, Ponce. Tu dis que j'étais avec toi dans labo. Ah non, j'ai pas dit ça, j'ai demandé qui était. Ok, pardon. J'étais avec moi. T'as deux en Ponce. Eh, no joke, j'ai aucune idée de qui c'est. J'ai rien compris. Après, Angle pourrait lâcher son meilleur self-report sans forcément avoir fait exprès d'ailleurs. DFG qui arrive un peu tard dans ce coin. Mmh.
DFG Yuna. Ok. ONU. Angle. Angle et Yuna, ok. En mode tryhard là. Incroyable. Oh. Oui. Antoine un petit rappel, nous sommes 6 et nous n'avons éjecté personne, il faut donc impérativement voter quelqu'un se rendre. Moi je pense que c'est Antoine. Ah, d'accord. Ok. Parce que je crois que j'étais à Specimen Room et qu'il y avait Éponce et Egomar. Du coup, Antoine descendait et moi je montais. Du coup, j'aurais tué Ponce puis Gomard dans la même pièce, c'est ça ? Bah, peut-être qu'il y avait ton complice avec toi. Bah, du par coup... Par exemple, Yuna. Non, bah justement, moi, j'ai non, Yuna, je l'ai croisé dans l'autre sens. Bah, Gideon Utrem, il vous reparlait light à chaque fois, Gideon Utrem, en oui, attendant. Mais quand je rentre Electrical, je vois Gideon Utrem sortir et DFG sortir, enfin, derrière moi au même endroit, et il y a un corps derrière vous, en fait, donc bon. Ah oui, tu ne l'as pas riposte. Où ça, le corps ? Il est où le corps bah. Attends, je vais voir si elle sait. Bah, je pense qu'il doit être entre Elec et Labo, enfin vers Storage. Storage. Okay, il est sur Vitals, là où il y a écrit Laboratory sur la carte, un endroit exact où c'est écrit. Et ben, bah, okay. On n'y est pas retourné depuis un petit moment. Bah, enfin, moi, j'y suis allé que au début, bah, quand j'y suis allé. Suis allé que... égal... Alors, pour info, je suis allé également au début, et quand on s'est croisé à Specimen, moi je suis parti par la gauche, je suis jamais remonté par en haut après. Hein. J'ai croisé justement Yuna quand je suis allé vers Specimen, et je suis pas remonté par là. Hein. Mais c'est j'étais à gauche quasiment toute la game, j'étais aux caméras et j'ai réparé les lags dès que je pouvais. En plus, à la fin, je vais jeter un check dans les salles en bas et tout. Je vois qu'il y a Angle qui est dans communication radio et ensuite je vais à O2. Donc je suis pas allé vers laboratoire vers la fin, vraiment pas. Bah, moi, tu vois, Antoine, quand je te croise Specimen, je monte labo, je croise DFG, JD, je crois qu'il y avait même Gomar et je suis une des premières à sortir de labo. Donc en vrai. D'accord. Ok. Ok. C'est, je sais pas, c'est bizarre. Effectivement, en fait, je me souviens que j'ai croisé Yuna du coup en sortie de Specimen en haut, puis Florence avec Ponce Gomard, il me semble, à Specimen. J'ai fait mes petits trucs en bas, je me suis cassé sur la gauche. Tu les as tués, enfin, c'est quand tu dis que t'es. Exactement, c'est ça, Florence, tout à fait. Ouais. Ensuite, je suis allé sur la table, mais bon, les informations, je sais pas trop quoi en faire, les trucs sur la table. Ensuite, je me suis cassé. Je pense que JD est safe en tout cas. Oui, moi je pense aussi qu'ONU est safe et DFG il peut. DFG maintenant ça lui arrive de report alors qu'il est un pot, mais là je pense pas. Enfin, je vois pas l'intérêt là. Et du coup, moi je le vote Antoine de Florence me paraît. Okay, ah d'accord, ok. Oui, je pense. Ah ouais aussi. Ok. Je vous suis. Antoine là Antoine Daniel. D'accord. Même toi DFG Baka. Peut-être que JD est en train de nous brain là. OMG, ah, le mastermind. Tu t'es brain toute seule, Florence là. C'est toi qui l'as dit en premier. Hein, mais... Ah bah on verra tout à l'heure. Non, mais j'avais la même intuition qu'elle avant qu'elle le dise. Après, si c'est DF Yuna, ils ont juste trop bien joué. C'est la seule solution où bah, on est baisé, quoi. Ouais, c'est perdu, je pense. Ouais. Oh, t'es chiant, Antoine. Ah ouais, Yuna, elle va speedrunner des kills, là, non ? Un com.
Ouais, avec un O2. Ouais, avec un O2 en radio, je crois. C'était ONU. Yuna et Tokam, ok. Non, là, on est plus que 4 ou on est... Non, on est encore 5, on était encore 5. Pas de mort. ADF, mort. Alors, je comprends pas exactement où il est, mais j'ai le bouton report quand je suis en dessous de communication radio. Donc, voilà, entre com et weapons, probablement, quelque chose comme ça. J'étais sur les vitals, donc les vitals qui sont dans le laboratoire, et je vois qu'il est mort il y a genre 15-20 secondes, et je commence à aller le chercher au moment où les lights sont down. Je vois quelqu'un qui remonte de cet endroit-là, je pense que c'est Yuna d'ailleurs. Mais. De où ? De. Genre de. Du bas de la map vers Electrical. Ah non, non, non. Moi j'étais, j'ai fait que labo Electrical, labo Electrical, parce que j'avais fait une miquette. J'arrivais pour réparer les lights. Que j'ai réparé du coup. Ouais. Et qui, quand il y a eu, je sais plus là où il faut mettre la main, là, je sais plus comment ça s'appelle, ouais. Là. C'est le réacteur. Qui l'a fait. Alors, moi je suis arrivé en retard à droite. Et j'étais avec Davy, je crois, à droite d'ailleurs. Bah, c'est... Ouais, d'ailleurs, t'étais beaucoup avec lui et là il est mort, c'est bizarre. Bah alors là... Je sais pas. Après, moi, je sais que je t'ai vu... Enfin, à chaque fois que je croisais DFG, t'étais pas loin. Et voilà, c'est tout. En fait, tu es resté avec pas mal de gens hein, pour être tranquille. Hein. Ouais, c'est possible, en vrai. Mais là, vraiment, je sais pas. Moi, j'ai fini mes quêtes, je fais que Cam, Vitals, je me balade un peu, mais je suis jamais allé en dessous de la map, enfin, en bas. En vrai, moi, il me reste qu'une mission, donc... Ouais, moi aussi, ouais, il me reste qu'une mission, mais... Ouais, il m'en reste deux, mais je t'en ai la couille. Après, Yuna, après... t'étais réticente à l'idée de voter Antoine. J'étais pas réticente, mais pour moi, Onutrem me paraissait plus suspect, tu vois. Parce que moi, Antoine, je l'ai croisé qu'une seule fois, et derrière lui, il y avait pas de kill, tu vois. Donc, ouais. Je sais pas. Je vois pas du tout Angle faire un méga bus sur Antoine en mode un pot ensemble et elle le jette sous le bus. Donc pour moi, ça se joue plus... Surtout, ça aurait été con dès le début, parce que c'est moi qui reporte le cadavre et qui ai mis le call sur Antoine, donc c'est bizarre, tant qu'il n'est pas suspecté. Donc pour moi, c'est entre Yuna et Onu, mais j'ai du mal à savoir en vrai. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Angle. Ça peut être moi aussi. Je sais pas, moi, Onu, il me fait peur, mais c'est peut-être parce qu'il a un style effrayant, de jeu. Tu vois. Oui, mais justement, ça, c'est l'argument, tu vois. J'ai 3 heures de jeu, du coup, je suis pas effrayant, mais ça ferme quand même vachement les portes, donc c'est quand même quelqu'un qui a un peu l'habitude, je pense. Après, on finit l'émission, et voilà. Ouais, bon, ouais, vas-y, je vote Onu parce voté que Yuna. Le fait qu'il mette le non, non, sur le non, 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 si, si. Moi, non, j'ai non, voté Onu. Ah, non, mais JD, si c'est ruiner, toi, t'es en train de ruine. C'est pas moi, JD, vraiment. C'est le fait de rush l'émission, on m'a dit, m'en reste qu'une, là, je le sens call, là. Bah, juste pour gagner, quoi, en fait. Ah ouais, c'est genre, vraiment, c'est Onu, le deuxième. Les gens qui sont morts, vous pouvez utiliser le petit moins à droite de l'écran. Je suis désolé, j'avais trop peur que Angle soit morte pendant les lights. Bon, bah j'ai bien fait. Ah, et bah c'est le cas. Bah... Oh non. Merde. Non, je... Bah d'accord. Oh merde. J'étais sur le point de faire ma mission et il y a eu les lights. JD, t'es pas en train de me brain. Pitié. Non, non. Non, pitié, t'es pas en train de faire c'est, ça. C'est qui non, mais JD, je pense qu'il est safe. Moi, j'ai passé la moitié de ma game avec lui quasiment, et à chaque fois... Parmi les lights, Yuna.
Oui. Ouais. C'est moi qui ai mis les lights. Mais tu sais que moi je pensais vraiment que c'était toi. Hein. En fait, moi le truc avec Onutrem, c'est qu'il a des déplacements trop bizarres. Mais ça peut être le coup du débutant, tu vois. Non, j'avoue, en fait, je m'arrête pour checker la map parce que je sais jamais où aller. En fait, il n'y a pas les flèches jaunes. Ouais, bah du coup, c'est pour ça, en fait, tu fais des moves bizarres sur la map, mais en fait, ça veut rien dire. Et pourquoi il n'y a pas les flèches jaunes, en fait? Parce qu'en fait, moi, je suis obligé de checker la map, du coup, je sais pas par cœur les trucs. C'est parce que t'es un pot, t'as pas les flèches jaunes quand t'es un pot. Ah, il n'y a pas. Ah merde, bah du coup, je fais un pot alors. Putain, bah en vrai, soit on skip et on attend que la personne fasse sa dernière tâche. Je pense que c'est une mauvaise idée. Bah pourquoi c'est une mauvaise idée? Je sais pas, je sens mais que je vois suis pas dans comme... un En fait je vois pas comment t'as fait le kill et t'as remis les lights après en fait Yuna. Donc je pense que je Yuna t'as combien d'heures de jeu parce que moi je vois niveau 37 quand même. Je viens de communication va, où j'ai fait ma dernière tâche, c'était l'upload communication après, et après j'ai rejoint au light. JD, ce que je te propose, ouais. Sachant que je suis débutant ouais. Non, mais à cette soirée. Ouais. Bah c'est que si jamais c'est moi c'est une masterclass. Sinon, bah, on voit Tuna. Et voilà. Ça se tente. C'est un peu bizarre, parce qu'en fait, c'est un peu la même chose dans les deux cas, ce que t'es en train de me dire, là. C'est... Tu me dis pile, je gagne, face, tu perds, quoi. C'est ça que t'es en train de m'expliquer. C'est ça, en gros. Mais arrête, JD, s'il te plaît. Oh, non. C'est mort, il m'a saoulé. T'as fait quoi? Quoi? Tu m'as non. voté? Mais... Alors, je imagine, c'est JD. Et c'est là qu'il change au dernier moment, JD. Non, JD. Je sais pas. JD. Bah, je suis les dernières JD. Volontés de Angle aussi. Oui. C'est vrai. Non, Yuna, tu m'as pas fait ça. Vous savez que si ça c'est pas, ah là si là c'est là pas là une crème, c'est la faute de d'angle, hein, c'est tout. Vous savez que ça se joue à une seconde. Pour ça que à j'ai buzzé. Une seconde de cooldown. Une pour ça seconde. Que j'ai buzzé. Une seconde. Non. Voilà. Une seconde. Pas mal la fin au Nutrem, mais putain, c'était dur. Hein. C'était dur. Ah, là, c'était tu t'es retrouvé en plus avec Yuna. Les explosions. Et... Florence, au nu, tu es je suis sabat ta chaîne, putain. Au nu qui a failli brain deux personnes qui ont quand même 12 500 heures de jeu. Hein. Oui. Alors, j'en ai à peine 300. Hein. Voilà. Et oui, et JDA 12 200. 300 sur Among Us, c'est quand même.